Je suis Philippe Gillet, je suis retraité, donc j'ai 63 ans. J'avais atteint, voire dépassé les clignotants, cholestérol, diabète, hypertension, coloscopie, donc sur lesquels on m'a soigné depuis 3-4 ans. Donc avec des médicaments bien entendu, mais ça allait en s'amplifiant et mon médecin m'a dit qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que là, vous risquez quand même de gros à terme. Je n'osais même plus m'habiller, j'étais en province donc du coup et à la retraite, donc dans mon jardin, je me disais ça me va très bien, mais au fond moi-même j'étais très malheureux. Et puis j'étais vraiment très gêné dans mes mouvements. Je ne pouvais plus bouger. Comme je voulais, j'avais plus le côté leste. Moi qui suis un danseur, moi qui aime beaucoup danser, j'avais beaucoup de mal à danser, à bouger, mais surtout j'étais très vite essoufflé. Alors donc j'ai perdu en totalité 22 kilos, donc c'était mon objectif. Donc il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là et je les ai perdus rapidement. Donc il faut dire que je n'ai pas fait d'écart, j'ai tout suivi, hein, donc j'ai pas eu de. Bon. Mais je les ai perdus rapidement. Ça va faire maintenant 4 ans que je suis stabilisé. Je reste vigilant. Hein. J'ai acquis les réflexes, mais je n'ai rien repris. Je me suis remis à redécouvrir les saveurs. Parce que les menus qui étaient proposés, donc non seulement n'étaient pas imposés, puisqu'il y a les équivalences, ça m'a beaucoup aidé. Les équivalences m'ont beaucoup aidé. Et ça m'a permis de varier mes menus et de découvrir, surtout la découverte des saveurs. Voilà.